Vous regardez RTL. L'histoire du vendredi, un jour sur la Terre avec vous, Guillaume Chiez. Bonjour. Bonjour. Direction Tarbes, dans un quartier où deux chiens font la loi. Oui, deux chiens qui détestent profondément les facteurs. Vous avez tous en tête cette image un peu cliché que l'on utilise dans les cartoons. Eh bien, à Tarbes, et plus précisément dans la petite impasse de la Meuse, le cliché est bel et bien une réalité. Depuis 8 jours, aucun postier ne s'approchait du quartier. Du coup, plus de courriers pour les habitants. L'an dernier, déjà, l'impasse avait connu le même sort. Un énorme berger malinois repoussait tous ceux qui, de près ou de loin, portaient une veste bleue et jaune. Le propriétaire a dû installer une clôture pour retrouver la paix. Mais désormais, c'est son deuxième chien, beaucoup plus petit, qui fait des siennes et montre les dents dès que le facteur arrive. Rebelote, fini la distribution. Sauf que les habitants en ont assez. Certains estiment cette fois que le facteur est un peu trop prudent et même carrément peureux. Pour preuve, pendant ce temps, les distributeurs de prospectus publicitaires, eux, continuent à alimenter les boîtes aux lettres de l'impasse. Récit RTL signé Guillaume Chiez, à réécouter sur notre site rtl.fr.